ثيري دي توالين تيكو سان كان فكير الحرمة فوسكين ماشي الدقبيلي ماشا ذيون ذيون جماثنا سي فريق سي لافريك إيغوران كان يون غوليس داني سوهامن سي تموثي سي الجابون يوران أدليس غف ماسينيسا غفو يلي ذنر ماسينيسا نروح نسولها سوا كنيس نيني ذا شو كيبوين أي وشو إذ خفارض وكنا تصارض أفو يلي أمازير ماسينيسا وكير أكيثي تولي مكاثورا ذماس أوغوست نقومو أوغوست نقومو ذا نتساري لان ذا مقدم نزمتي لنيس فرانسيست ان ديبلومات انترناسيونال ذي تودسا إمونقار لونيون أفريكان تدوكلي متفريق سينير إماس نقومو زولف لك بونجور مسيو أوغوست نقومو دونك جو بيان فوز انتروديير دون لا لونغ دو ماسينيسا لو بربر لو تامازيرت dans sa variante le kabyle. Donc ce qui nous a étonné et ce qui nous a fait encore beaucoup plus plaisir en tant que berbère ou amazigh d'Afrique du Nord, c'est que un africain, notre frère africain, on appartient tous à l'Afrique, sachant que le mot Afrique, c'est Massinissa qui l'a prononcé le premier dans l'histoire, l'Afrique aux Africains, et c'est un honneur pour nous de vous avoir comme celui qui a écrit ce livre sur Massinissa, et on va aller en détail pour savoir qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur le roi Massinissa. Tout d'abord, si vous permettez, est-ce que vous pouvez vous introduire à nos auditeurs, téléspectateurs de TQ5? Merci, merci beaucoup, Racide. Je vais dire Azul. C'est le premier mot que j'ai appris en amazigh. Écoutez, je m'appelle Augustin Gomo et je suis africain, né au Gabon. Et passionné d'histoire pré-coloniale et pré-esclavage. Parce que je pense que les Africains sont assez mal informés de l'histoire d'avant, l'époque romaine, l'époque égyptienne. On n'est pas assez informés et en conséquence, on n'est pas assez fiers de notre histoire. Et commencer par le grand peuple amazigh était pour moi une très bonne approche pour permettre aux Africains de découvrir notre histoire. Parce qu'elle est très riche, elle est documentée, elle a beaucoup de facettes, et c'était très intéressant de commencer par Massinissa. D'accord. Donc, permet toutes les personnes historiques de l'Afrique, donc il se trouve que peut-être Massinissa, c'est celui qui vous a inspiré le plus, c'est ça? En fait, Massinissa m'a inspiré parce que j'étais intéressé par l'histoire avant, bon, alors comme on compte les années, les siècles à partir de Jésus-Christ. J'étais intéressé d'écrire l'histoire de l'Afrique, mais avant l'an zéro. Ouais. Et quand on est à l'an zéro, pour moi, dans ma tête, il y avait deux grandes périodes qui se détachaient dans l'histoire. Il y avait la période égyptienne. Ouais. Et puis il y avait la période romaine. Tout à fait. Et après, en regardant de près, j'ai découvert les guerres pudiques. Vous savez, les guerres entre Carthage. Ouais. Et Rome. Tout à fait. Et donc, il y avait deux grandes guerres. Je me suis dit, c'est quand même des guerres internationales. Ce n'est pas des petites guerres. C'est comme la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'est des très grosses guerres. Et je me suis dit, mais ça se passe en Afrique. Comment les Africains ont géré cette guerre-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les Africains ont juste été victimes? Ou bien réellement, ils ont participé à ces guerres-là? Ils ont fait quelque chose. Et en creusant, j'ai rencontré un personnage unique, légendaire, Massinissa. Et j'ai commencé à regarder ce personnage de près. Ça m'a pris 8 ans pour réellement creuser l'histoire, voir qui était ce personnage, voir ce qu'il a fait, et j'ai compris que beaucoup de choses sont passées. L'histoire de l'Europe, finalement, s'est dessinée en partie à cause de l'intervention de Massinissa. Wow. Massinissa aurait été du côté de Carthage, le monde aurait été différent. C'est l'empire carthaginois qui aurait dominé la Méditerranée. Mais le fait que Massinissa ait choisi, pour différentes raisons, hein, politiques, stratégiques, ait choisi Rome, a changé le cours de l'histoire. Je me suis dit, voici un Africain qui a fait une très grande chose, mais il faut que tous les Africains le découvrent. Et donc, voilà comment je découvre Massinissa et je découvre le merveilleux peuple amazigh. Et comme par hasard, M. Auguste Ngomo, vous n'êtes pas le seul à faire cette observation. Il y a même un écrivain, ou un historien, ou je ne suis pas passionné de l'histoire, qui est gallois de la Royaume-Uni. Il s'appelle Rob Edmonds, qui vient d'écrire 2 grands volumes sur Massinissa. En anglais, le premier volume, c'est l'allié de Carthage, et le deuxième volume, l'allié de Rome. Donc, qu'est-ce qui est vraiment... C'est une,
comme il a dit lui-même, c'est une personnalité historique qui est ignorée alors qu'elle a joué un grand rôle. Et là, vous venez de le confirmer, n'est-ce pas? Ah ben, tout à fait. Tout à fait. C'est ce qu'il a fait est simplement fantastique. Quand même, il a fallu, il a fallu toute cette histoire d'esclavage, période coloniale, cette période d'islamisation, de christianité, pour nous faire oublier finalement qui était cet homme-là. Parce qu'en fait, c'est pas un petit personnage. Vous savez, quand un être humain traverse l'histoire. Ouais. De manière aussi permanente, parce qu'il y avait quand même un grand roi à côté de Massinissa, il y avait Sifax. Ouais. Mais quand Massinissa traverse l'histoire, traverse les siècles, on parle d'un personnage qui est mort il y a 2100 ans, 2000 ans qu'il est mort. Ouais. Et il crée encore autant de passion, il crée encore autant d'intérêt, c'est que c'était pas un simple homme, c'était quelqu'un d'une autre dimension. Et il est le devoir de chaque Africain. Peu importe la place, ça peut être en Afrique du Sud, en Afrique de l'Ouest, du Nord, mais quand on tombe sur des grands rois de cette dimension, de les remettre sur la place publique, de les redonner à l'Afrique et de les donner au monde. Parce que finalement, c'est des héros qui sont ignorés et qu'on doit faire connaître. D'accord. Bien sûr, peut-être que les Européens ne le feront pas, mais merci pour ce Gallois qui l'a fait. Peut-être que les Asiatiques ne le feront pas, mais quand les Africains découvrent ce type de héros, ce type de légende, on doit les sortir. On doit montrer qu'il y a eu des hommes de valeur, des hommes de principe, de valeureux guerriers, de très grands rois qui ont existé avant et que nous devons admirer aujourd'hui. Donc finalement, Massinissa, c'est une fierté non seulement des Berbères, mais de tous les Africains. D'autant plus, et peut-être vous allez le confirmer, c'est lui qui a mis en place la fameuse expression « l'Afrique aux Africains », n'est-ce pas? Écoutez, le débat est ouvert parce que certains Algériens disent que ça revient à Djougourta, qui était donc son petit-fils. D'accord. Certains disent que c'est à Massinissa. Mais si c'est à Massinissa, vous savez, si c'est Massinissa qui l'a dit, finalement, c'était le premier panafricain. Parce que c'est un peu ça l'esprit du panafricanisme. Vous vous rendez compte? Voilà un roi qui nous dit l'Afrique aux Africains. Mais c'est du panafricanisme pur. Et ça nous rattache à l'Afrique du Nord parce qu'en fait, on a tendance à vouloir séparer ces deux Afriques. En fait, c'est comme si on séparait des frères. On a les frères du Nord et les frères du Sud, on a les Amazirs, qui à chaque fois nous rappellent que non, on est ensemble, on est africains. Donc l'Afrique aux Africains, oui, c'est un beau message de la part de Massinissa. Exactement. Et nous devons le mettre en œuvre. Je pense que c'est un homme qui c'est un emblème pour nous. C'est maintenant quelqu'un de très important. D'accord. Il y a une expression d'un écrivain kabyle, Karim Akouche, ici au Canada, qui dit que l'Afrique doit retrouver son Nord. Parce que l'Afrique du Nord, elle est annexée au monde arabe. Mais aussi, moi, je dirais, elle doit retrouver tout son Sud. Parce qu'il y a quelques années, j'étais en Afrique du Sud. Croyez-moi, M. Ngomo, je ne me suis jamais senti aussi africain quand j'étais en Afrique du Sud. Donc, de l'Afrique du Sud à l'Afrique du Nord, notre Afrique, elle est vraiment très riche en ressources, à la fois humaines, en termes d'humanisme, ressources naturelles. Vraiment, il y a beaucoup. Moi, je me suis toujours dit, il y a un grand avenir avec l'Afrique. C'est notre continent. Vous savez, j'ai été très... actuellement, il y a à peu près 60 000 personnes qui échangent en Algérie sur Massinissa, la légende, sur le livre. Donc, avec la plateforme WhatsApp, Facebook, on voit un peu tous ces échanges-là. Et je suis surpris. Je n'ai pas l'impression que je suis en Afrique parce que déjà, on m'appelle mon frère, Azoul. Donc, toutes ces impressions arrivent et vraiment, je me rends compte que je suis à la maison. Quoi. La preuve, c'est qu'elle a cherché après vous. Oui, tout à fait. Et donc, vraiment, j'ai eu l'impression d'être à la maison et je me suis dit, mais tu as bien fait. Tu as écrit un livre. Et j'avais l'impression qu'aussi les frères Amazir avaient besoin de cette reconnexion-là. Ils ont besoin dans tout ce processus. Vous savez, on a subi beaucoup de choses en Afrique. Hein. On a subi tellement d'acculturation, c'est-à-dire nous ont enlevé notre culture de manière tellement violente que, en fait, les Amazir, quand je les entends s'exprimer, ils ont besoin de se raccrocher, de se rattacher au continent. Et oui, c'est leur continent. C'est vraiment les peuples africains, c'est leur continent, c'est leur place. Ils étaient là avant les Phéniciens. Ils ont fait ce qu'on a vu. Et puis vraiment, oui, c'est l'Afrique. On est tous ensemble et on va essayer de mettre en place ce que Massinissa a demandé, l'Afrique aux Africains. Tout à fait. Maintenant, on revient à l'esprit du livre. D'abord, à la fin, on va donner à peu près les coordonnées, où est-ce qu'on peut se le procurer avec les plateformes numériques, Amazon, tout ça. Et avant cela, on aimerait bien rentrer dans le vif du sujet parce que personnellement, j'ai pris aussi rendez-vous où j'écris un courriel à notre, à,
un message à Rob Edmonds pour nous dire qu'est-ce qu'il raconte et qu'est-ce qui l'a motivé à écrire ce Massinissa. Maintenant, pour vous, qu'est-ce qu'on peut retrouver? De quoi est constitué le livre? Comment il est organisé? Sous forme de chapitres? De quelle époque à quelle époque? Est-ce que c'est comme Edmonds? Vous avez parlé d'abord de son l'alliance avec Carthage, ensuite vous êtes passé à l'alliance avec Rome. Et pourquoi le passage d'une alliance à l'autre? Comment est structuré le livre d'une façon générale? Est-ce que vous pouvez nous dire en aperçu? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Massinissa, la légende, est un roman historique. Donc, il est constitué de deux parties. Il y a une partie véritablement historique qui va retracer les grandes lignes de la vie de Massinissa, de son adolescence qu'il a fallu créer de toutes pièces, parce qu'en fait, il n'y a pas d'éléments historiques qui nous permettent de retrouver ça. Est-ce que vous avez parlé de son père, par exemple, Gaïa, son père Gaïa? Tout à fait. L'histoire commence, le livre commence sur une discussion entre le roi Gaïa et son fils, qu'il annonce qu'il va aller à Carthage, pour aller apprendre à Carthage, d'accord, pour aller à améliorer ses connaissances. Parce que, vous savez, si vous regardez l'histoire du monde, si vous regardez l'histoire des empires, souvent un empire qui contrôlait plus ou moins les royaumes autour de lui avait tendance à emmener les princes dans son empire pour leur éducation. C'est une façon de propager la culture. Ils l'ont fait à l'empire du Mali, ils l'ont fait à l'empire du Ghana, ils le faisaient à l'empire de Chine. Donc, à chaque fois que les empires étaient puissants, mais les rois autour de cet empire-là envoyaient leurs enfants pour s'éduquer. Donc, la trame de l'histoire commence donc sur une partie un peu fiction, parce qu'on n'a pas d'éléments historiques sur l'enfance de Massinissa. Donc, comme c'est un roman historique, il y a deux parties. Il y a les faits historiques réels, comme la bataille de Zuma, où Massinissa a battu Barca, Hannibal Barca. Ouais. Et puis, il y a les parties fiction, c'est la partie romantique, où finalement, ben, il fallait créer de liens entre les deux. Pourquoi Massinissa a changé d'alliance? Techniquement, c'est assez particulier. Donc, ce livre va être structuré de la manière suivante. On aura une chronologie des événements, de l'enfance de Massinissa à sa mort, qu'il a fallu aussi imaginer. Mais comme il est mort à 93 ans, on peut imaginer que ce n'était pas sur un champ de bataille, c'était donc sûrement dans sa chambre. Et il n'est peut-être pas mort de maladie, il doit être mort de vieillesse à 93 ans. Donc, il a fallu aussi imaginer comment ça s'est passé. Après, il a fallu créer des personnages autour de lui, comme par exemple son meilleur ami, comme les gens de Mauritanie. Vous savez qu'il y avait il y a aussi les Maures, sont aussi des Berbères, font partie du peuple Amazigh. Donc, il y a une partie fiction et une partie historique. Et ça se déroule le long de la vie de Massinissa, sa campagne en Europe, sa campagne en Afrique, les troubles qu'il a eus avec ses frères, avec Hermina par exemple, qui ont essayé de prendre le royaume sous la coupe de Sifax et puis de Barca. Donc ça va raconter un peu tout ça. Voilà un peu comment est structuré le livre en deux parties, une partie historique et puis une partie romanesque. Mm-hmm. Eh bien, c'est bien de savoir, les histoires romancées, c'est une tendance effectivement. Il y en a beaucoup qui ont écrit sur des personnalités ou des historique des Berbères, notamment Gisèle Halimi, qui nous a quittés il y a quelques temps, il y a quelques mois de cela, qui a écrit sur Kahina, une belle histoire romancée, partir des faits réels, elle a essayé d'imaginer les étapes qui n'ont pas été prises dans l'histoire pour faire appel à son imagination. J'imagine que vous avez fait la même chose, vous avez fait appel à l'imagination pour déduire qu'est-ce qui s'est passé entre les événements phares de l'histoire. Tout à fait. J'ai dû beaucoup écouter de la musique berbère pendant que j'écrivais. Elle est très, très africaine. J'ai dû manger beaucoup berbère. J'ai dû regarder beaucoup d'images parce qu'il fallait s'imprégner. J'ai regardé l'Atlas, par exemple, les montagnes de l'Atlas. Il fallait se mettre dans le cadre, dans le contexte, à quoi ça ressemblait, quelle est la culture. Et c'est pendant ce processus que j'ai vraiment rencontré et aimé le peuple amazigh. Quand je vois tout ça, j'ai même hésité également à écrire ou sur Jokota ou sur Kaina. Vous savez, la reine berbère qui a battu les envahisseurs, les arabes envahisseurs. Oui. Et puis non, finalement, Massinissa sortait du lot parce qu'il est quelqu'un d'exceptionnel. Donc c'était très intéressant parce qu'en fait, c'est pas seulement. Vous savez, c'est un peu comme si j'ai rencontré Massinissa et puis il m'a pris par la main et il me fait découvrir le peuple berbère. Il me fait découvrir le peuple amazigh. Et c'était vraiment une expérience unique parce que c'est étrange comme expérience. Et c'était vraiment intéressant. Je suis allé même jusqu'à voir où est-ce qu'il est enterré. C'est très beau ce monument où ils l'ont enterré. Et ça montre que
Oui, je me suis senti chez moi avec l'histoire d'Amasinissa. Je me suis senti avec les Amazirs, les Berbères, les Touaregs, les Kabyles. Je me suis rendu compte de tout ça, qu'en fait, finalement, c'est un ensemble. Très bien. C'est pas une simple histoire. Oui, c'est très bien ce qu'il faut faire. Mais vous savez, je pense que, on peut écrire notre histoire de deux manières. On peut soit l'écrire de manière historique. Et donc, ça fera des livres très épais, mais à chaque fois, ce sera sujet à débat, parce qu'il y aura toujours des contradicteurs qui viendront pour dire non, ce n'est pas vrai, en 1750, il s'est passé ceci, et puis il n'était pas seul. Et puis, ça entraîne des débats inutiles. Et puis, les Africains ne lisent pas beaucoup les livres d'histoire, les manuels d'histoire. Qui lit ça? Et puis, une autre façon de faire, c'est de les entraîner dans une aventure, dans une histoire. On crée une intrigue, on crée quelque chose qui va les intéresser. Et pendant qu'ils lisent, ils découvrent les personnages, ils découvrent l'histoire, ils découvrent les faits historiques, et ils découvrent ce qu'on veut transmettre comme information. Et je pense que cette voie du roman, cette voie parfois du film, amènera plus d'informations et rendra les Africains beaucoup plus fiers de leur histoire qu'un livre d'histoire qui sera inévitablement contesté. Parce qu'à chaque fois, un historien, vous savez, les historiens, c'est ce qui était particulier pendant toutes ces recherches. Vous savez, j'ai eu une conversation avec un professeur qui est en Kabylie, un professeur d'histoire ancienne. Et je lui ai posé des questions. Je lui ai dit, et là c'est récent, il y a 2 jours, on a discuté de ça. Je lui ai demandé, mais dites-moi, je comprends pas, les Carthaginois, c'est des Africains ou pas? Et il me dit clairement, non, ce n'est pas des Africains, c'est des Phéniciens qui reviennent de Tyr et qui ont installé plusieurs comptoirs. Donc ce n'est pas des Africains. Je lui Liban. ai dit, mais non, c'est qui viennent du Liban. Oui, Tyr, c'est au Liban. Ouais. Donc, ils sont arrivés en Afrique et puis les Phéniciens installaient des ports commerciaux un peu partout. Donc, ils installaient au niveau de l'Espagne, de l'Afrique du Nord, etc. Et ils n'ont rien d'africain, ce n'est pas des Africains. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé des Gétules, ils ont trouvé des peuples africains sur place, donc les Amazirs. Et donc, il y avait des royaumes qui se battaient, pas qui se battaient, parfois qui se battaient, parfois qui se battaient pas, mais il y avait des habitants qui étaient là avant leur arrivée. Alors, je pose la question au professeur, mais pourquoi on dit que Massinissa, c'est un traître? Il me dit, mais non, ce n'est pas un traître. Parce que si on trahit un envahisseur, on ne trahit pas. On n'a pas trahi sa nation. Les Phéniciens n'étaient pas africains. Donc, Massinissa, il décide de changer l'alliance entre des gens qui reviennent de Tyr ou des gens qui reviennent de Rome. Le vrai débat, c'était ce qui se passait en Syphax. Hein? Massinissa préférait regarder le nord, peut-être que l'est. C'est ce qu'on devrait voir maintenant avec l'Afrique du Nord, qui est en train de regarder plutôt l'est vers le nord où il y a la civilisation. Hein? Donc, Tout à fait. Mais je pense que vous. Massinissa était pragmatique. Il était pragmatique et puis son royaume était quand même menacé par Syphax. Donc il n'y avait pas que le contexte de Rome et de Carthage qui le préoccupait. Il y avait aussi l'existence de son royaume. Il y avait aussi le changement d'alliance de Carthage. Carthage n'a pas été correct dans cette histoire. Et Carthage a beaucoup intrigué. Quand il était temps pour lui de devenir roi des Maciles, avec Syphax, ils ont intrigué pour empêcher, ils ont créé des faux rois pour l'empêcher d'accéder au trône. Donc il y avait beaucoup de raisons d'arrêter cette alliance-là. Donc je pense que c'est un faux débat de dire que Massinissa c'était un traître, c'était un homme très pragmatique. Et la preuve, ben, les rois sont pragmatiques, hein. Les rois ne sont pas là pour le plaisir de Rome ou de Carthage. Mais il a été pragmatique et puis il a fait quelque chose d'extraordinaire. On dit c'est le premier fondateur de l'État, d'un État non numide en Afrique du Nord. Hein. C'est lui qui a établi la notion de l'État, la mise en place Tout de à l'État fait. en Afrique. C'est lui-même le Et premier. puis, fédérer tous les. Vous imaginez, fédérer les Amazirs? C'est pas facile. C'est pas facile. Ouais, C'est pas facile. on le voit de nos jours, hein, Alors, c'est plus facile de ben, mais oui, on le voit de nos jours. Donc, aller fédérer les Kabyles avec les Touaregs, avec les Maures, avec oui. les Chaoui. Oui. Bon, les Massis, les Massaïsis, c'est terrible. On m'a dit une chose intéressante, et c'est à moi de vous poser une question. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Bien sûr. On m'a dit qu'actuellement, les Massiles, ne gèrent pas trop bien la royauté de Massinissa et que c'est plutôt les descendants de Syphax qui s'occupent très bien de Massinissa. Les descendants de Massicile, on les appelle les Massiciles, je pense. Les Massiciles, Les les descendants Massiciles. de Massicile, c'est Massiles. Oui, les Massiles. On me dit qu'actuellement, c'est les Massiciles qui défendent mieux Massinissa que les Massiles. Oh là.
Peut-être, non, c'est dangereux de s'aventurer dans ça, je préfère, parce que quand on ne connaît pas bien les choses, il vaut mieux ne rien dire. En fait, Mais dans je le... comprends, parce que c'est très passionné. Ce que j'ai pu observer, c'est que c'est très, très passionné dans les échanges au niveau de Facebook. Et c'est bien, on doit parler de ces sujets-là, on doit les mettre sur la table et puis les parler entre frères, parce que c'est notre continent, c'est notre histoire, on est ensemble sur cette terre-là. Tout à fait. On n'a pas l'intention d'expulser un groupe d'entre nous, les gens sont venus s'installer, ils sont maintenant là depuis des siècles, on est ensemble. Mais on doit s'accepter mutuellement, on doit accepter notre histoire. Il faut qu'on avance ensemble pour faire le bien du continent. Tout à fait. Ngomo, une autre question, c'est que à travers l'histoire, il y a beaucoup d'historiens qui ont écrit sur Jugurtha, qui est la personnalité la plus connue du point de vue depuis Salus qui a écrit sur Jugurtha. On écrit souvent sur Jugurtha, mais très peu sur Massinissa. Et là, je suis très content qu'on voit des écrivains d'ailleurs, même d'ailleurs, qui écrivent sur comme vous, comme Rob Edmonds, qui écrivent sur Massinissa. Comment tu expliques le manque d'intérêt à Massinissa comparativement à Jugurtha? Est-ce que c'est le fait, c'est l'action héroïque de Jugurtha qui est partie à Rome, ou comment faire la guerre à Rome? Qu'est-ce qui a motivé les historiens à écrire beaucoup plus sur Jugurtha que Massinissa, d'après vous? Honnêtement, j'ai pas assez creusé Jugurtha. J'ai pas assez creusé ce personnage-là. Donc, j'aurais du mal à vous dire qu'est-ce qui attire plus les gens vers cet Amazigh plutôt que vers le roi Massinissa. Vraiment, j'aurais du mal à répondre à cette question. Mais ce que je peux dire, c'est que moi, je suis intéressé par les rois, pas méconnus, mais les rois qu'on ne met pas tellement en avant et qui ont été exceptionnels. Et donc, je ne peux pas comparer les deux personnages. Et puis, c'est la même famille, hein, c'est le même sang, je crois, c'est son petit-fils. Le petit-fils. Bon, bon, le petit-fils a fait la gloire, là, je ne sais pas comment dire ça, mais bon, c'est histoire de famille. Hein, donc, Oui. c'est bien. Vous vous rendez compte quand un seul sang peut produire autant de légendes, c'est quand même incroyable. Hein. Je ne sais Exact. pas. Donc, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que l'un est plus documenté? Parce que si vous remarquez bien, par exemple, Hannibal Barca est très très bien écrit Exactement. partout. Il y a beaucoup de choses sur Hannibal. Est-ce que c'est parce qu'il y a un peu plus de documents, un peu plus d'informations, un peu plus de neutralité? Parce que il est assez neutre. Hein, si vous comparez à Massinissa, Massinissa crée tout de suite comment on peut dire ça? Il crée tout de suite un clivage. C'est pas un personnage neutre, c'est pas un personnage aussi simple que ça. C'est pas un personnage neutre. Vous savez, je suis avec Rome aujourd'hui, demain je suis avec Carthage, et puis je bats mon oncle Syphax, qui s'avérait être son oncle. Ça c'est complexe. C'est vraiment quelque chose de très complexe. Jugurtha, c'est un peu plus clair au niveau de la lecture historique. Mais je sais pas. J'aurais du mal à vous répondre à cette question parce que je connais pas bien le personnage, et ça mériterait que je retourne dans l'histoire et regarder. Mais ça me prendra 4-5 ans. Hein, c'est beaucoup. Hein. Quand on commence à être vieux, 4-5 ans, c'est beaucoup. Oui. Quand même, les Italiens ont fait un film sur Massinissa. Ce qui me réconforte, c'est de penser que mon pire ennemi, le fier Massinissa, est tombé dans le même piège que moi. Personne ne pourra soustraire ce Phonisbe à son destin. Massinissa est entré dans la ville. Il doit arriver ici dans un instant. Sauve-toi, reine, car sa vengeance va être terrible. Il t'a tant aimé et t'aime encore. Et on voit pas malheureusement le monde cinématographique s'intéresser à ce personnage-là de nos temps. Notamment, ils ont écrit les États-Unis, Hollywood a tourné un grand film sur Hannibal. En fonction du succès du livre, comme c'est un livre historique, un roman historique, en fonction du succès du livre, peut-être je pourrais parler avec des Amazigh pour voir si ça les intéresserait de faire un film dans la forme hollywoodienne, pas un Oui. documentaire, mais un film sur Massinissa. Vous avez bien fait, Monsieur Ngomo, de parler de
la possibilité de mettre sur écran géant un nouveau film sur Massinissa parce que notre télévision TQ5, c'est parmi ses objectifs à plus ou moins long terme de mettre en place un système cinématographique qui va raconter nos historiques comme Massinissa, Jugurtha, Gaïa, jusqu'à Axel, Déria et beaucoup de personnes historiques que malheureusement on ignore, alors que le cinéma a toujours joué un rôle sur le plan idéologique. Notamment, je vous cite un exemple d'un film qui a complètement façonné, qui a changé l'Algérien et l'a rendu un peu trop intégriste par rapport à ce qu'il était avant 1980. C'est le film de Rissala, le messager, sur le prophète Mohammed, où a été fait en Hollywood. Et même dans les deux langues, arabe et anglais, Anthony Quinn qui a joué le rôle de l'oncle de Mohamed. C'est pour vous dire que ce film-là, il a complètement chamboulé la physionomie de l'Afrique, d'Algérie, plus particulièrement que je connais. Un film sur Massinissa et sur Jugurtha, croyez-moi, et puis d'autant plus maintenant, Hollywood, elle est en manque d'inspiration, on n'a plus de sujet à aborder. on a quelque chose à proposer. Comment ? On a quelque chose à proposer parce qu'on a une très riche, riche histoire. On va travailler ensemble, croyez-moi. On va essayer de collaborer. On va mettre peut-être votre livre sous forme de scénario pour raconter cette histoire de Massinissa. On pourra rester en contact pour aller dans ce sens-là. Ah ben parfaitement. Écoutez, c'est là où vous accomplirez mon rêve avec les Amazirs. Si avec les Amazirs on réussit à faire ça, je me dirais bon, j'ai fait ma partie avec l'Afrique du Nord. Parce qu'actuellement, je suis en train d'écrire sur deux autres rois. Pianki, je ne sais pas si vous connaissez Pianki, le fondateur de la 25e dynastie égyptienne. Oui, oui, oui. Donc, c'était le roi de Napata, donc du sud, et puis qui, à un moment donné, il se faisait tellement envahir par le royaume démembré d'Égypte qu'il a dû remonter vers l'Égypte pour essayer de stabiliser la situation. À quelle époque ça s'est passé? Il faut que je, dans ce cas, vous remenez vers mes archives là. Okay. Mais on est quand même à la 25e dynastie, donc on est avant Massinissa. Oui, 25e dynastie. On est 25e dynastie, on est longtemps avant Massinissa. Et puis l'autre que je suis en train de faire, ça se passe dans les années 1310, c'est avec le roi de l'empire du Mandé du Mali, l'empereur du Mali. Ouais. Et qui s'appelait Aboubakar II. Ouais. Et qui on a surnommé le roi explorateur. On soupçonne que en 1311 ou 1312, il aurait découvert l'Amérique. Pas découvert, il serait arrivé en Amérique. Il aurait traversé l'océan parce qu'il était intéressé plus par l'exploration des mers que par la gestion de son empire. Donc, il a laissé son empire à son frère et puis il a continué vers l'ouest. Et il aurait, paraît-il, découvert. Mais bon, là, c'est des faits historiques. Donc, vous voyez qu'en fait, si vraiment je peux demander une chose, mon frère, c'est que Ouvrons, ne restons pas que sur le monde amazir, ouvrons à toute l'Afrique pour qu'on puisse, on puisse partager notre histoire en commun. Et que si on peut faire le film Massinissa, ce serait extraordinaire. Ce serait... Je partage. Après ça, je pense que vraiment, je serai en paix avec la partie du Nord en disant, ils ont un héros, parce que oui, c'est un grand homme. Oui, oui, on va travailler ensemble. Lisez le livre. Et je serai très content d'avoir votre retour. Positif ou négatif, mais je voudrais avoir votre retour. Je serais très, très intéressé d'avoir ça. Est-ce que vous pouvez nous autoriser, enfin nous donner le droit ou éventuellement discuter la possibilité de traduire votre livre en kabyle, en langue kabyle? Bien sûr. Parce que, voilà, c'est ça. C'est pour renforcer la littérature kabyle comme on a l'habitude de le faire ici au Canada. Donc, ça serait bien de... que votre livre soit lu par les Kabyles dans leur langue aussi. Tout à fait. Et c'est tout à fait normal. Je pense que c'est ça l'objectif, c'est qu'on se réapproprie notre culture, notre histoire. Ouais. Et si les premiers à devoir retrouver leur histoire, c'est bien les Kabyles, c'est bien les Amazirs. Ouais. Là, je l'ai fait en français. Donc, les Africains francophones pourront donc lire l'histoire. Ouais. Et s'il plaît à Dieu, si ça peut être traduit en anglais, les Africains qui sont malheureusement anglophones pourront aussi lire. Donc, l'objectif, c'est vraiment de lire. Et donc, oui, vous avez mon autorisation. Envoyez-moi les éléments. Je communiquerai ça aux éditions Baudelaire. Parce que je suis encore sous contrat avec eux pendant un an. Donc, je vais communiquer l'information en disant que je suis intéressé par la traduction en,
en berbère, en langue, pour que les gens puissent lire. S'ils me disent oui, on le fait. Oui, c'est une très, très bonne initiative. Je vous remercie beaucoup, mon frère. Ça, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Bon, avant de clôturer l'interview, bon, vous avez cité des personnages historiques. Il y a un personnage qui a joué un grand rôle aussi, qui mérite d'être porté à la fois en histoire ou par un film. Vous avez parlé de la 25e dynastie pharaonique. Mais avant la 25e, il y a la 22e. La 22e, elle était berbère. Donc, Chichang, qui a été même cité par la Bible, c'est un personnage historique qui mérite d'être peut-être aussi piocher un peu du point de vue historique et puis éventuellement mettre en écran, n'est-ce pas? Vous allez me transformer en expert du peuple amazigh. Hein? Ben, je vais manger alors beaucoup, beaucoup de plats amazigh pour retrouver l'inspiration. Très bien. En tous les cas. Mais je vais regarder. 22e dynastie. Hein? La 22e. Chichang. 22e. Je vais regarder. Regardez ça et regardez le verset chronique de la Bible où il parle de Chichang. Il est allé en Égypte et s'empara de trésor de Salomon, roi Salomon que les Arabes disent qu'il est prophète, mais c'est un roi juif. Il est connu, Suleyman. Donc il est allé s'empara du trésor d'après la Bible, c'est pour punir son fils Roboam, fils de Salomon. Parce qu'il voulait le punir à travers un roi berbère qui est Chichang. Donc, je t'invite à te Il y a beaucoup d'écrits sur ce roi-là, sur cet empereur ou pas? Beaucoup quoi? Est-ce qu'il y a beaucoup d'écrits? Oui. Parce que vraiment, ce que je recherche, c'est les rois qui n'ont pas eu la chance d'être écrits. Vous voyez, qui n'ont pas eu la chance de... Oui. Donc, parce qu'en fait, c'est pour éviter que tout le monde déterre le même roi, c'est vraiment trouver des rois qui n'ont pas eu la chance, ou bien pas que la chance, mais bon, Massinissa est exceptionnel, on écrit sur lui, mais il est exceptionnel, c'était imparable. Si vous connaissez Massinissa, c'était imparable qu'il fallait écrire sur lui. Oui, c'est imparable, effectivement. Donc je vais regarder ce roi de la 22e dynastie, ça va être très intéressant, je crois. Super. En tous les cas, je viens de finir. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Maintenant, juste pour finir notre entrevue, Monsieur Ngomo, comme nous sommes des Africains, si je vous dis en quelques mots, en quelques courtes phrases, c'est quoi africain? On est le berceau de l'humanité. Quand on dit berceau de l'humanité, c'est pas une petite histoire, vous savez. Ouais. Et un Algérien qui m'a dit, on n'est pas que le berceau de l'humanité, on est aussi les garants de l'humanité. Les garants, tout à fait. On n'est pas que le berceau, parce qu'en fait, avec les valeurs humanistes que nous avons, les Africains, avec les valeurs humanistes, on se rend bien compte que ça veut dire que les Occidentaux, l'histoire nous a fait souffrir beaucoup, mais on n'est pas tombé dans la haine humaine. Tout à fait. Et on se dit, mais comment on peut autant souffrir, on peut autant être spolié, on détruit notre culture, mais pour autant on n'arrive pas à détester les autres. Parce qu'en fait, on a une dimension humaine, on a des valeurs qui sont transmises depuis des générations, depuis des siècles, qui font en sorte qu'on est les garants de l'humanité, de l'humanité des humains. Donc, on n'est pas que le berceau, on est aussi les garants. On a toujours été un continent bouillonnant, un continent actif, un continent désiré, par des amants dont on n'est pas toujours intéressé, mais bon, on est désiré par les Européens, désiré par les Américains, maintenant on est désiré par les Chinois. Oui, l'Afrique est toujours désirée. Il faut maintenant qu'on redonne l'envie, le désir aux Africains eux-mêmes. Parce que les Africains, eux, ils quittent l'Afrique. Donc, il faut qu'on leur redonne le désir de leur propre continent pour dire non, c'est merveilleux ici, c'est dur, mais c'est chez nous. Il est temps de se construire parce que, effectivement, moi je crois à ça. Un jour, tous les colons vont partir, on va se construire nous-mêmes. On a encore une fois, comme je l'ai dit au début, on a toutes les ressources qu'il faut, à la fois humaines et naturelles. Donc, l'Afrique doit se retrouver, se prendre en charge elle-même, toute seule. Tout à fait. C'est un très beau mot de conclusion. L'Afrique aux Africains. Merci beaucoup, Ngomo, pour votre temps. Merci, monsieur. C'était très, très, c'est agréable d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et qui nous est connu, c'est Dikemen, Nakam Tholam, Dikemen, qui n'a pas ce qui est MS Auguste Ngomo. ذم قدمك كيان أجرالان ديبلومات انترناشنال دي ثيدوك لا كانت فانكا مع الونيو أفريكان إسيان مليلة كذي ثويلين دي سدون أكذي نفقون يظنون دي قيمة دي ثلويت.